bazoami ebele na banda kona bino bon week-end na ba oyotu bazali kolanda les communicateurs de la République Jeff Badibanga na banda kona bino na ba bureau na bino na kati ya mituka na bino na ba buvette bisikatu oyo bozali kolanda DRC News Television, la chaîne qui vous apporte l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le rappel du général de brigade Eudi Kapenda Kinshasa. L'actualité reste encore dominée par l'arrestation de Bernabé Milingano. Oyo alobaki Tshisekedi akolia Mbunguma, azalaki condamné à 3 ans de prison, abimaki déjà, mais nous apprenons qu'azali na service ya demi-arbre, bato bayebi yango te, ezali bongo le renseignement militaire, oyo ekangiye. Pourquoi bakangiye? C'est parce que la plupart des jeunes du PPRD, vous avez vu, la fois passée, je vous ai parlé, il y a président, il y a Ligue des femmes, il y a bayi PPRD, oyo a rejoindre Corneille Nanga, na Alliance Fleuve Congo. Ah, toi, Luc Olobanabino, Joseph Kabila est en train de négocier sa passion au niveau ya Namibie parce que Eric Koumba, Oyazalaki, Moko, yaba conseiller stratégique et politique, ya Corneille Nanga, Oyazali, terroriste, qui Tshisekedi avait décidé le 23 décembre d'assassiner ou soit de tuer à partir ya hôtel Oyazalaki na Routour ou Bissika Bandaki Kologé, yé accueilli Koluka négociation na Kati ya Namibie. Alors, ba jeune ya PPRD et Belé Awa, ba ju direction ya ko rejoindre Alliance Fleuve Congo, notamment Bernabé Milingano Oyo Azali Ozare depuis ce matin, tôt ce matin arrêté par le renseignement militaire. Nous allons également en parler et surtout les rappels d'Eddy Kapend, Sima Yabino Koyoka, le chef d'état-major général Christian Tshiwewe, Koloba Kaete, ba officier supérieur et Belé dans le Grand Katanga Bakangi Bango pour collaboration avec le rebelle, et que na Grand Kivu, il y a aussi l'arrestation de plusieurs officiers pour collaboration avec les rebelles. Nous allons parler des combats qui continuent très tôt ce matin dans Kibirizi, centre à l'est de la République démocratique du Congo, là où les forces armées de la République démocratique du Congo contrôle déjà Kibirizi, mais Bitumba et Komilelo na Kibirizi centre. La colline de Doumba a été récupérée par nos forces armées appuyées par les Wazalendo après la destruction du système aérien rwandais, après la neutralisation et aussi l'interception de missiles air-sol rwandais par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le G7, Bakotaki, na Likopanabango, ils ont parlé de la situation de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité, Bakotaki pe na Likopanabango, ils ont parlé de la situation de la République démocratique du Congo. Bango Koutou Bakayi Moussika Balobi, on est plus proche d'une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sima Yalisanga na Bangowana, Emmanuel Macron, Azutium Bonaye, Abengi, le président rwandais et le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Congolais appelle affectueusement Fatih Béton. Et je vous annonce que Fatih Azali Bongo Kozwa Pepo, direction la France pour aller rencontrer Emmanuel Macron sur la situation de l'Est de la République. Fatih a-t-il changé sa position par rapport à Oroye Apesaki na Lorenzo Oyazali envoyé des États-Unis d'Amérique pour convaincre Tshisekedi de ne pas partir sur l'option militaire? Nous allons en parler au cours de cette édition d'analyse politique que vous fournit le communicateur de la République, Jeff Badibanga. Nalobaki, DRC News, c'est la chaîne qui vous apporte l'actualité en détail et en temps opportun. Donc, information et quoi na tongo, ngai na ye mbala moko na ebisibino Milingano bakangie pour complicité avec le M23. Information et quoi ngai na ye na ebisibino que Eddy Kapend azali rappelé à wana Kinshasa. Batu mususu ba ebisibino Eddy Kapend bakangie pour notre haute trahison. Est-ce qu'il est arrêté pour haute trahison? Vous allez le savoir sur DRC News. Et pour ne pas manquer ce genre d'informations qui défient la chronique en République démocratique du Congo, je vous demande juste de vous abonner sur DRC News et surtout de cliquer sur la clochette d'alarme pour que à chaque fois qu'il y a une actualité qui tombe sur votre chaîne, que vous puissiez être le premier à être notifié. Ainsi, mesdames et messieurs,
encore une fois, bienvenue et surtout, bon week-end. Nabino Banso, Boyebi déjà, notre numéro par lequel vous pouvez nous contacter, c'est le +243 81 717 11 97, +243 81 717 11 97. Mes chers compatriotes, actualité, Oyo Nazali, Nangole, Lopona, Boyebi, Sabino, Ngaïna Bino, to solo là, to développer Nini, Yali Koko, Melambo, Kanabiso. Par rapport, il y a rappel, il y a Eddie Capend, arrestation, il y a Bernabé Milingano, la guerre na Kibirizi Centre, le déplacement de Fati na France, précisément na Paris. J'aimerais que les Congolais puissent savoir qu'il y a élection de gouverneur. Il y a élection des sénateurs, même si le peuple n'est pas concerné directement. Mais ce sont les élus du peuple qui vont faire les choix. Lorsque je parle des élus du peuple, je vois notamment les députés provinciaux qui ont été élus sur l'ensemble du territoire national. Ces députés doivent élire à leur tour les sénateurs et les gouverneurs qui doivent diriger nos provinces. Nous avons vu des vidéos circuler de la corruption de certains députés provinciaux par certains candidats gouverneurs, notamment dans les Kasaï, où la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Nous demandons aux services de sécurité de faire le renseignement, d'enquêter pour savoir qui est ce candidat qui est en train de corrompre le député. Nous interpellons également les députés. Chers députés, nous vous avons élus pour la cause nationale. Nous vous avons élus pour défendre le peuple. Et le peuple n'attend de vous que le choix judicieux des gens qui doivent aider la République à décoller. Mboka ekufa tata mokonzi ekolo alobaki. Botala la ville de Kinshasa. Ngobila kotambolana chef de l'État na venu Nguma. Population ali kobele la ye mouyibi. Est-ce que vous devez encore reconduire d'autres miyibi au Nabakati à gouvernorat où les alliés éparpillés dans 24 provinces aux alliés sur l'étendue du territoire national? C'est à vous de regarder qui vous allez voter pour l'avantage du peuple congolais. Laissez-moi faire cet éveil patriotique avant tout banda mana cannabis à Mukolomalé. Tous les gouverneurs qui ont été élus en 2018-2019, ils n'ont pas aidé le chef de l'État. Tata Mokonzi Ayekolo Ali Kobunda. Comment est-ce que Esengeli, ma province Nabiso, ezwa mou souffle? Mais ces gouverneurs qui sont les représentants du président de la République dans ma province, ils sont allés de l'autre côté. Est-ce que bino pe ba député au toponi ambalo boko kende ko votele biso ba tupo ba pesi bino misolo? Est-ce que bozali wana pona avantage ya peuple to bozali wana pona mabumu na bino? C'était juste ça, mes chers compatriotes. On a linga qui tombe en anango émission au Yale. Le point m'apprend mes amis lundi. Le Seigneur qui m'a interpellé, ma député, au biso population, biso peuple, au votaki. Mouto Asia Bimaki déjà député national. Est-ce que c'est nécessaire, bino, pour voter, il se sent comme un sénateur? Est-ce que Moko et Zali a famille naïe? Abimi déjà député provincial. Yemoko député national. Yemoko candidat sénateur. Donc, Moko et Batumsous Bakoki qui travaillait kakabango. Et puis, na ba poste, on a recommandé à Sipléa naye, premier Sipléa, moi na naye. Premier Sipléa, moi si naye. Donc, Moka Komoto Kabirango na ma botawana. Vous devez réfléchir sur la situation et vous devez aussi bannir cette histoire de la famille. Moutouaza Kakana se plaît à Ouazali Mouananaye. Moi, Sinaye, il ne mérite pas d'être élu en République démocratique du Congo. Comme je vous l'ai dit, mes chers compatriotes, la traîtrise est en train de battre son plein dans la République démocratique du Congo.
émission yango ebandi soki laika kina no émission te laika émission soki partager kina no lien te partager lien parce que autres ali koloba arrestation ya Bernabé Milinga Bernabé azala kina na ba oyo ba yebi ou soit balandaka la politique de la République démocratique du Congo ba yebi que Bernabé Milinga no azali mutoyo lorsque le chef de l'État ou soit cache à l'époque, cap pour le changement, basala qui menace yako dissoudre parlement, basala qui menace yako boma mariage FCC cash. Moutouana yé moutouazo ki courage. Dans un média de la place, yako lobaete tiseke di soki a meki akolia mbouma. Et vous savez, et Tambola Congo Mobimba, il a été arrêté, jugé en flagrance, condamné à 3 ans de prison. Il a purgé les 3 ans de prison à Bimi. Si ma kobi manaye, mbala moko comme na mutu na ye, azali na makanisi ya tiseke di alia mbuma. Mbuma ngo batuna keza mbuma nini, ya loba keza orange. Zo kande bakino balobi ke mbuma ezali lisasi. Na minute yo na kobi manaye. Comme je vous ai dit dans le titre, Joseph Kabila est entré au pouvoir par les armes. En 1997, l'AFDL, accompagné par le Rwanda, est entré en République démocratique du Congo et a renversé le régime de Mobutu Sese Seko. Kabila, de la même manière qu'il était entré par les armes, il veut retourner encore au pouvoir par les armes. Il a essayé un peu de sonder le peuple au travers des élections qui se sont tenues en 2023. Il s'est rendu compte que Kabila a coquille Kozonga le sous-souté. C'est ainsi que Kabila est allé créer l'Alliance Fleuve Congo. Le créateur de l'Alliance Fleuve Congo, c'est Joseph Kabila. Le but pour lequel Joseph Kabila a fui l'Afrique du Sud pour venir se cacher dans Namibie. Yango bomona ki tata mokonzi ya ekolo. Atinda ki le haut représentant naye. Na kombo ya Serge Tshibangu, na niveau ya Namibie, avec une lettre dans laquelle le chef de l'État demandait l'arrestation de Joseph Kabila et son extradition en République démocratique du Congo pour en être jugé. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que la loi sur les anciens présidents de la République, la loi sur le premier ministre et la loi sur les gens qui ont dirigé les grandes institutions en République démocratique du Congo, qui est en train de protéger aujourd'hui Joseph Kabila. Les gens posent des questions. Vous avez toutes les preuves. Le conseiller spécial en matière stratégique et politique, il y a Otobengi Corneille Nanga. Il a dit clairement que Mouto Ali ko soutenir à l'interne l'Alliance Fleuve Congo, c'est Joseph Kabila. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter Joseph Kabila? Les gens ne savent pas qu'il y a une loi qui a été votée à l'époque par le Parlement sous le règne de Joseph Kabila pour protéger un ancien président de la République. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, l'obibo yokaki, que JLM, balongoli batutu, la garde républicaine, bande qui combat la JLM, bango to bazali rappelé au plus tard lundi, bazala déjà kunana oya. Le gens qui gardait Kingakati, tous rappelés, batende kunana oya. Pourquoi? Parce que on prépare l'arrestation de Joseph Kabila. Il est le mal le plus profond que la République démocratique du Congo n'ait connu. Alors, Kabila utilise ces jeunes, le jeune du PPRD, qui ont été fidèle à Joseph Kabila. Le jeune Oyo Kabila a yibaki na bango misolo. Bango nde lelo ba ali ko rejoindre Alliance Fleuve Congo. Le jeune qui rejoigne l'Alliance, qui rejoigne plutôt l'Alliance Fleuve Congo, lorsque vous regardez très bien, ils viennent d'un seul parti politique qui est le PPRD. Et à cet net instant, Bernabé Milingano, na bobimi na ye na prison, il a été contacté directement par la famille Joseph Kabila au travers de leur sœur Nakomboya Jeannette Kabila. C'est ainsi que le service militaire ayant appris avec des preuves tangibles
que Bernabé Milingano est en complicité, en contact avec les rebelles qui sont en train de déstabiliser la République démocratique du Congo, qui sont en train de tuer nos propres compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été arrêté ce matin pour complicité avec le rebelle du M23. Le même point focal. La République démocratique du Congo, si ma corate, il y a cardinal Ambongo, le lobaluki Bernabé Milingano, qui était déjà en prison sous le régime de Félix Tshisekedi. C'est ainsi que, mes chers compatriotes, tous ceux qui sont contre la République ne méritent même pas qu'ils puissent être respectés par le peuple congolais. Et je sais pourquoi je suis en train de le dire. Moutou Oyo Ali Kozouamandou qui contre son propre pays. Je vais ici parce que Batoura Ali Koko Sabino. Et comme nous sommes le week-end, nous sommes en train de décrypter l'actualité politique. Je vais vous lire l'article 64. Bah, une opposition, bah, lobby, bah, j'ai non, bah, Ali Koko rejoindre Nanga, bah, Ali Koko utiliser l'article 64 de la Constitution. Mais que dit l'article 64? Le peuple ne doit pas être menti comme ça. Chaque fois, bah, il y a opposition, bah, il y a Koko Sabino, on avantage Nabango. Mais que dit l'article 64? Et là, vous allez comprendre que soit les opposants, Bazali Maïe l'était, ou soit ils sont en train de vous manipuler. Je suis à l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Bah, y'a opposition, bah, zouaka, alinéa, y'a liboso, y'a article 64, oyo, pona koko sa ba yimboka, et Tshisekedi, azali ko exercer le pouvoir en violation, y'a constitution. Mais écoutez l'alinéa de l'article 64. Pour moi, na ke, toute personne qui prend les armes, Mouto Ali Kobomaba Congolais, Mouto Ali Kozomandou qui contre la République ne mérite pas d'être soutenu par les Congolais. Et d'ailleurs, acte Oya Kosalawana, je vais vous lire, mais laissez-moi d'abord vous expliquer que acte Oya Kosalawana ya Kozomandou qui contre la République, acte Oana Bakolandela Yango, Atasuki Bakagye Lelote, même après 50 ans. Infraction wana ekozala kakaka. Écoutez la linéa D. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Oyonanga zali kosala ezali tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc infraction bango bali kosala wana ezali libela bakolandela kango ata après 100 ans. Parce que Basali Ango contre la nation et l'État congolais. Elle est punie conformément à la loi. Et cette infraction de renverser le régime constitutionnel, elle est punie par la loi. Dites à vos opposants lorsqu'ils vous disent que vous allez consacrer l'article 64, dans la Kisabino, que deuxième alinéa, ils allaient condamner Bango. On ne peut pas renverser un régime constitutionnel. Maintenant, comme je n'ai pas beaucoup de temps, on parle de l'arrestation d'Eddie Capène. Vous allez comprendre que j'ai la toux, j'ai la grippe, mais nous sommes là pour vous servir parce que information tant qu'on a lu Koya, ils allaient Koya dans le Kouta, ils allaient bien être pour la population, le Seigneur dit bisotoya pour éclairer la nation sur ce qui est en train de se passer. Eddie Capène est rappelé à Kinshasa. Bandeko. Eddie Capène a-t-il trahi? Eddie Capène s'est-il est-il en contact avec le rebelle? Parce que le chef d'état-major a accusé les officiers dans le Grand Katanga de collaborer avec le M23. Je vous ai parlé de Joseph Kabila. Joseph Kabila a quitté le Grand Katanga sans que DG Meyeba Abimina ait accueilli Afrique d'ici. Ça que nos services de sécurité puissent être au courant. Eddie Capène, Azali général de brigade, Ali Kokamba, 22e région militaire. 22e région militaire et Ali Kotala, les Grands Katanga. Donc,
bisika wanende bisika edi kapenda likotal. Mais comment Joseph Kabila est-il sorti de là sans que ma service est à la au courant? Le chef d'état-major nous avait déjà alerté sur une possibilité d'arrestation à ma officier dans les Grands Katanga. Le maire dit qu'à peine de rappeler, les gens parlent de la trahison, d'autres personnes parlent d'une consultation d'information. Et on nous annonce déjà que John Tshibangu Yemutu a commis que ça la intérim, il y a Eddie Kapen, na niveau ya Grand Katanga, celui qui a été nommé pour assurer l'intérim de Eddie Kapen. Eddie Kapen a été arrêté, condamné à la peine de mort. Il était en train de subir sa peine au niveau de la prison. À peine Tshisekedi élu président de la République, il l'a fait sortir. Bah, amnistié, bah, nommé comme général de brigade, la 22e région militaire dans le Grand Katanga. Et aujourd'hui, on accuse Edi Kapende d'être en contact avec le clan Kabila, d'avoir permis au clan Kabila de sortir du Grand Katanga sans qu'il y ait aucune trace trouvée. Aujourd'hui, vous devez savoir que tout ce qui est en train de se dire, Ezali Lokuta Monene. Edi Kapende a été interpellé à Kinshasa parce que l'État congolais, ou soit la hiérarchie, veut savoir sur l'arrestation de plusieurs officiers qui ont été arrêtés au Katanga, lui en tant que le général de brigade, qui avait toute l'information, qui avait dénoncé la manipulation, la collaboration de tous ces officiers-là. On veut l'entendre sur place pour qu'il puisse apporter de plus amples détails, il y a précision, il y a arrestation, il y a collaboration, il y a officier, il y a un qui a travaillé dans le Grand Katanga. Et ça n'a rien à voir avec la trahison dont beaucoup de gens sont en train de parler, de Edi Kapende Bakangie, Edi Kapende est un traître, Edi Kapende Azongeli Joseph Kabila, Ezali Lokuta Munene. Edi Kapende, il est rappelé ici pour consultation. Il n'a pas été arrêté. Il est venu pour donner de plus amples détails sur l'arrestation de certains officiers qui ont été arrêtés pour complicité avec le clan Kabila. Ce qui avait permis à Kabila de sortir de ce pays. Le mot Kabila Bimimboka a commis Koluka Bisika Ninya Obata. Mais quand vous dites la vérité, Iyo, Joseph Kabila est en train de chercher Bisika Ninya Obata. Atenda qui Afrique décide. Si ma batre trewana Kobimisa. Tango Babimisa qui est dans le Grand Katanga. Accueilli Afrique du Sud, n'a mandé Febele, oh non, n'a accueilli Kotang. Mais sur le Ramaphosa, il y a ici Joseph Kabila. Mais Kotanga, n'a eu Ezala Kanango, n'a présence, c'est Ezali Kotanga Moko, ou Ezali en ligne. Vous pouvez rentrer chez vous. Parce que Ramaphosa avait reçu la pression de Félix Tshisekedi. Kabila devrait rentrer. Kabila fuit l'Afrique du Sud pour que Ndekosenga pension ou soit exil na yé na niveau ya Namibie. Arrivé na Namibie, le chef de l'État envoie encore une lettre et pas à Serge Tshibangu, le haut représentant du chef de l'État, pour que le président namibien a extradé Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Je vous annonce que bientôt, ce qui va salir élection et assemblée nationale. Très bien. C'est une information qui mérite d'être likée, une information qui mérite d'être partagée. Ce qui va sali vote, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale. Il y aura la procédure de la révocation de la nationalité de Joseph Kabila parce qu'il a fait ce que nous appelons la haute trahison. Il a conçu un plan de terroriste pour renverser. J'ai lu l'article 64 à l'unéa 2. Balobi, toute tentative de renversement d'un régime constitutionnel Ezali pour constituer une infraction imprescriptible parce que Ezali bongo renversement, il y a un régime légitime qui a été installé selon la constitution de la République démocratique du Congo. Mais Kabila est allé prendre les armes. Il a créé un groupe armé pour renverser le régime. Joseph Kabila est à la base, il y a tuerie, il y a infiltration. Le nom notre deuxième ne fonctionne pas. Pourquoi pour Kabila Zoki, je suis à ma frontière Nabiso, à Pesango, à Banyarwanda, pour te battre traquer le FDLR. Le nom, le FDLR,
qui sont aujourd'hui utilisés dans la bouche d'Ambongo, qui sont aujourd'hui utilisés dans la bouche de la communauté internationale, comme la raison selon laquelle Kagame est en train de se défendre contre les FDLR que Kinshasa est en train d'armer. Et tout cela, mes chers compatriotes, la personne qui est coupable, Ezali Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi que l'arrestation de Joseph Kabila aujourd'hui, elle est inévitable. Et comme il est protégé par une loi sur le statut des anciens présidents qui a été élu, voté au niveau de l'Assemblée nationale, nous demandons à Vital Kamerhe, le candidat Oyo Union Sacrée à Koni, Poza la tata Moutoua Kokamba, Assemblée nationale, il y a qu'on changer et puis qu'on modifier la loi sur le statut des anciens présidents. On ne peut pas permettre qu'un ancien président de la République, comme Joseph Kabila, puisse être protégé par une loi alors qu'il est en train de commettre les infractions qui sont constitutives d'une infraction. Il est en train de faire l'attentat à la sûreté de l'État et tout cela sans être puni par, ou soit, et tout cela, il est protégé par cette loi sur l'ancien statut, sur le statut des anciens présidents. Mes chers compatriotes, doit-on aujourd'hui accepter la présence de Joseph Kabila, que Kabila reste là, alors que chaque fois, il est en train de trahir la République démocratique du Congo? Saviez-vous, mes chers compatriotes, que camarade Olive Lembe, la femme légitime de Joseph Kabila, je parle de la femme légitime Poazali Nabango Ibili, a rejoint dernièrement Alliance Fleuve Congo de Corneille. Saviez-vous que Bernabé Milingano est arrêté parce qu'il était en contact avec Corneille Nangue? Saviez-vous que la plupart des jeunes du PPRD ont été arrêtés parce qu'ils étaient en collaboration avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangue? Le mot « rien » ne peut dédouaner Joseph Kabila. Il y a un lien à Zali Kosala Naba IM23. Depuis que cette guerre du M23 a commencé, Joseph Kabila tikala koloba ni i ni o. Le nom Kabila tout la mousse yazaza. To ali koluka Kabila na mwinda, ali komona na te. Depuis amonana ki na matanga ya ancien président Namibia, atikala kuna akeyi kobatama. Abatami na toilette toyebite. Abatami na douche toyebite. Abatami na salon, ngai nayo toyebite. Mais to moni chef de l'État kotinda le haut représentant na ye. Le président namibien doit extrader Joseph Kabila. Le nom bato ba neki ko la GLM, on le rappelle, ce sont le signe annonciateur d'arrestation à Joseph Kabila. Mais si tu as Joseph Kabila, bako kangaye. De la même manière que chef de l'État avait ordonné, Babo Makorne Inanga, est-ce qu'ils allaient à solo? Iyo, ils allaient à solo. Allez vérifier le service de renseignement, le données publiées par Africa Intelligence. Balobi le 23 décembre. Alors que Nanga séjournait dans le Rutshuru, Wapi, na niveau ya Kichanga, Bolanda ki ke ba drone na biso, et beta ki ba IM23 ba koufa ki ebele en 2023 au mois de décembre, et je vous avais même annoncé la mort de Corneille Nanga parce qu'il était ensemble avec eux. Mais, selon le renseignement militaire, ba li koye mi sabiso ke ba boya ki ko beta hotel wana parce qu'il devait y avoir des dégâts collatéraux, oyo, ba civile, ba zala ki pe meliwana, ba koka ki pe koufa, et l'ongo na Corneille Nanga. Et cette détermination, Tshisekedi appelle Corneille Nanga terroriste, Tshisekedi appelle Joseph Kabila terroriste. Malgré le multiple contact de Joseph Kabila, o ali ko senga na tata mokonzi ya ekolo, ba kuta na ba solola, pour ce qui concerne la situation de sa famille. Parce que ils avaient conclu que malgré le coquille kokoma, la famille Kabila ne pouvait pas être inquiétée. Mais maintenant, on est en train de nous rendre compte que Bato Baliko Luka Liwaya Tshisekedi, Bato Baliko Luka le renversement du régime, c'est la famille Kabila. Et aujourd'hui, toute la famille Kabila, tout la Moussi Azaz, comment ont-ils réussi à échapper? Il y a le signe annonciateur qui annonce la fin de Joseph Kabila. Il y a le signe annonciateur qui annonce que le fin de l'arrestation de Joseph Kabila est allé en cours. Tango Boyoka qui Augustin Kabuya Yebisubino. Celui qui est à la base de la guerre à l'Est, c'est Joseph Kabila.
Bakangi Eric Koumba. Qui est Eric Koumba, le conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa? Il était arrêté où? Na niveau ya Tanzanie. Corneille Nangaa a vu courage, a commis le président tanzanien. Pourquoi vous avez arrêté mon collaborateur? La lettre est restée sans réponse. Pourquoi? Parce que la Tanzanie, azali parmi bamboko ba tindi ba soda na bango na mission ya SADC. Ils sont déterminés, il y a aussi la nana guerre ya est. Pe bayebi ke mutu azali à la base, c'est Joseph Kabila. Yango bomoni Joseph Kabila, malgré akumba na ye car na Tanzanie, akoki kozonga lisusu kuna te. Po soki a tient makolo na Tanzanie, il sera arrêté, extradé en République démocratique du Congo. Et pour fuir, il est parti dans Namibie. Arrivé dans Namibie, tu sais que bien l'année du sous na lombang, na Namibie, na Mukanda, bokangelanga Kabila, azonga nanu awa, to yakosi la na mak, to silsa, makambo tozali, tozali nango awa. Entre-temps, la guerre fait rage. Le phare de sel de Wazalendo va récupérer Kibirizi. Baza siko na niveau à Kibirizi centre, bisiko bitumba ezali kobundama. Na niveau ya Rwanda lobby, c'était une guerre des armes lourdes et ali kobeta malgré les 20 conteneurs oyo bayi MONUSCO batike ya ki bayi M23 na minute oyo, ce sont les armes lourdes qui sont en train d'être utilisées là-bas. Le phare de se déterminer à récupérer tout. Le M23 ne sait pas comment évoluer. Et du côté Rwanda, on nous signale que Paul Kagame vient de quitter Kigali, direction Keiko s'installer na frontière entre l'Ouganda, parce que sa sécurité est menacée. Mais Paul Kagame, le tout puissant, celui qui a toujours parlé, Ngaï Kagame, je vais défendre le Tutsi au Congo, parce que Bali Kobenga Bango, le Tutsi Rwanda, au lieu Kobenga Bango, ba Congolais. Il prend la fuite. Direction Yazu, les alliés frontières na Ouganda, pas à la protéger. Parce que le système aérien na yé, les alliés qui détruit. Tous les drones qu'il utilisait, interceptés, babrouillés, yango, les alliés qu'on s'en a l'issue souté. Pendant que la communauté internationale fait la pression sur Kinshasa de ne pas procéder aux attaques, de ne pas procéder à la guerre, yé a keïna no kobatama. Retenez Paul Kagame akimi azali kobatama na minute on ali kosolola na bino ali kobatama na frontière entre l'Ouganda. Moindre pepe ya attaque ya Congo akimi na ya koti Ouganda, parce que Ouganda nde mutu amemaki ye na pouvoir ye wana ali kozonga akende kobatama lisusu place ye a utaki. C'est ainsi que nous mettons point final à ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Je vous avais dit, je ne serai pas long. Tozali kokende na assemblée provinciale ya Kinshasa. Mapona miali ko salima. Kampagne se banda ki lobi. Lelo ba tumususu bali koloba. Lundi nous serons là pour voir ba député obiso to votaki ba ko voter nani. Et le lundi, même si il faut tozonga na 16h to pesa bino manaka tokoya, parce que l'élection ko salima na 10h 11h. On n'aura pas le temps le matin de venir vous faire l'émission, mais on vous promet que le lundi tokoya la bino résultat. Détail, corruption et salimité et salimité. Chef de l'État, Yébissi, Batoua Union Sacrée, laissez les députés faire leur choix. Alobinga Moko Tata Mokonzia Ekolo, je vous ai amené au primaire. Vous aussi, laissez les députés provinciaux effectuer leur choix. Pas question de mot d'ordre. Le politique ou soit ma candidat à ma mot d'ordre, wana ba ya kaka kako sale la peuple qui. Le candidat de mot d'ordre ba ya kako sale la bateau ou batine na kabango wana. Ils ne servent que leurs autorités. Et bien sûr, on le dit, cette fois-ci, il faut un technocrate dans la ville de Kinshasa. Mouto ya koya ou sa la son itene ti jantini ngobi. Bolanda ki lobi ngobi dans la top Congo. Babandi ko bwa ke mwa ke la yena Nicolas Kazadi. Nicolas Lobi, Makambo Etali Lampadaire, c'est Ngobile. Ngobile Lobi, Makambo Etali Lampadaire, ce sont les lampadaires à lui. Lui qui, Nicolas Kazadi. Donc, nous n'avons plus besoin, il y a Bateau, Makola Oyo qui s'habille sur son. Nous avons besoin d'un technocrate, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui connaît l'investissement, qui a même commencé les investissements, et il n'y a qu'un seul candidat
qui est en train de battre les records dans le candidat Wana Nyonso, c'est le candidat numéro 14 de Okasongo. Nous invitons le député provincial à élire le numéro 14 de Okasongo. Oyo Azali Kolakisa, Nami Sora Kongoman et tout, le plan Oyo Azali Nango, le projet Oyo Azali Nango, il a changé Kinshasa et comme Kinshasa Yasika. Il l'a dit, une fois élu, il va commencer d'abord par la construction des routes secondaires. Les routes secondaires, il y a un des Ali Koluka Mbouteillage dans la ville de Kinshasa. Les routes secondaires, il y a un des Olukaba inondation dans la ville de Kinshasa. Et comme on n'a pas de gouverneur qui pense à cela, parce que ma route secondaire, ce qui va bongisi yango, ba kotonga ba caniveau ya ba route secondaire wana. Donc ba marque zo bi bana mapango et koti na ba caniveau et meni bango et meni mama ba caniveau meni maiwana na ba caniveau ya minene ti ba kokendo wa ka ba maiwana na ba rivière inondation ko zalate na Kinshasa embouteillage ko zalate parce que le route oyo secondaire yango nde sala kake soki eza mabeza ko beba embouteillage ezala kanango na ville ya Kinshasa. Voilà pourquoi de wa lobby akobanda na ba route secondaire pour qu'il n'y ait pas d'inondation parce que ba route secondaire wana yango kutu nde urbanisation ya ville. Mais nanga tozo ba gouverneur o baza mayele te ba yebi biloko wana te. Moye ba sala musala wana ezati. Même ceux qui présentent leur programme, botala ba programme ba ko présenter banda lobby vendredi ti lelo. Mutu akolobela makambo wana ezali azalite. L'unique personne qui pense à aider la ville de Kinshasa, c'est de Okasongo, en construisant les caniveaux et la route secondaire, et puis en réhabilitant le route secondaire, pour être congomani tout, à Tambola na quartier, à Tambola na avenue, à lui, comme on a pensé que non, à Zali, na capitale, y a Kinshasa. Yango Tolobi, lundi, on serait là pour vous donner Nyonsoyo et Koleka, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus 243-81-717-1197. Plus 243-81-717-1197. On se retrouve lundi sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.